Oh, il est 18h déjà. Yeah, boy. Allez, bonjour, bonjour à tous. J'espère que ça va. Moi, ça va. Ça fait long time, mais je suis là, je vais bien. I'm feel good, comme on dit en anglais, je vais super bien. On dit quoi? Bon, j'ai un message à passer. Mon message ne sera pas long, j'en ai peut-être maximum 10 minutes, 15 minutes, le temps que j'arrive là où je m'en vais. Oh, ils sont là. Marie-Louise, Edith Yvonne, Ayonia, comment va? Kala, tu peux partager sur l'autre grande page là pour voir quand même. Partage là. Oh, Bertine Payet est là. Oh my God. Faut épingler Bertine Payet, Kala. S'il te plaît. Merci beaucoup, merci. Ouais. Tu as vu Bertine? Oui. Bon, on va se mettre là. Arlette Seri, comment ça va? Merci beaucoup. Merci. J'ai un message à passer. Monsieur Magadji, consultant en immigration, sera à Abidjan. Ouais, il a dit il va pour affaires à Abidjan. Donc, il va être là-bas. Il ne va pas être là-bas pour un long séjour. Je crois qu'il en a pour une semaine. Des gens qui veulent rencontrer M. Magadji. Attends. Oh là là, il fallait que je reprenne le sport. J'ai vraiment pris du poids là. Même pas 5 kilos et puis mon visage est comme ça. Hey, tu nous manques. Oui, non, je sais. Moi-même là, j'ai dit que je ne sais pas ce que j'ai. Même pour me lever, pour faire un poids, c'est un problème. Ouais, c'est parce que je suis beaucoup occupée. Hein. Vous savez, le conteneur rentre au Canada lundi. Donc, c'est quelque chose là. Voilà. Et puis, je vous ai dit que j'ai repris l'école. Hein. Voilà. J'ai repris l'école. Donc, les cours en ligne. Les cours en ligne, c'est pas du jeu. Hein. Donc, vous savez. C'est ce qui fait que vous. C'est ce qui explique vraiment mon absence là. Voilà. Donc, je tenais à vous dire. Vous qui rentrez toujours dans mon inbox, les problèmes de l'immigration. Vous qui voulez avoir des informations. Voilà. Les informations que vous voulez avoir sur l'affaire de l'immigration. Bon, je ne suis pas. J'espère que je ne suis pas en train de vous apprendre qu'il y a un collectif d'avocats ici au Canada. Ouais, c'est ce collectif-là qui a porté plainte. Des avocats ont porté plainte contre le gouvernement du Canada pour la longueur des procédures d'immigration. Pour ce long temps que ces procédures d'immigration la mettent là. Donc, ils ont porté plainte tout et tout. Monsieur Magadji a dit, bon, oh, c'est gentil, Bertine. Merci, Nia, Edith Yvonne, Bertine, toutes ces personnes présentes là. Quand je fais les vidéos sur l'immigration comme ça, vous laissez ça là-bas, c'est dans mon WhatsApp, vous venez. Vous voyez que moi, je ne vous réponds plus hein, dans le WhatsApp là. Tout ce qui a trait à l'immigration. Vous êtes à Abidjan, c'est le COVID qui a retardé ce projet là. On a un projet sur l'immigration à Abidjan. Monsieur Magadji qui a de l'expérience, ça fait 30 ans qu'il fait l'immigration ici au Canada. On devait partir à Abidjan pour faire une tournée immigration. Malheureusement, le COVID avec tout son corollaire de problèmes avec lequel c'est arrivé, on n'a pas pu. Cependant, c'est un projet qui est réservé. Ça va se faire. Mais avant ça, il arrive à Abidjan. Je vous ai dit, les affaires d'immigration. Oh, Frimousse, nouvelle hair, comment va? How you doing? Comment va, ma chérie? Donc, c'est ça, toutes ces, comment on dit ça, toutes ces informations que vous me demandez, parfois,
je suis même pas, j'ai pas l'habilité de vous répondre. Il y a des questions que vous me posez sur l'immigration chaque fois. Des questions auxquelles j'ai répondu même par le passé. Ouais, par le passé, j'ai, pour parler terre à terre, nombreusement répondu à vos questions. Vous laissez ça là-bas. Vous venez dans mon inbox, vous me posez des questions chaque fois. Monsieur Magadji, c'est la personne la mieux habilitée. Monsieur Magadji, lui, va vous parler sans langue de bois. Monsieur Magadji, c'est quelqu'un, il prend pas le dos de la cuillère pour s'exprimer, pour dire ce qu'il pense sur le domaine de l'immigration. Il connaît les rouages de l'immigration. Voilà. Donc, si vous voulez avoir les informations, si vous voulez savoir comment on rencontre Monsieur Magadji, comme je vous ai dit, c'est un consultant en immigration. C'est un homme d'affaires. Donc, quand il va à Abidjan et puis il va vous rencontrer là, c'est pas Bella. Voilà. Pourquoi M. Magadji vous rencontre là-bas? C'est pas Bella. Voilà. Quand il va là-bas pour ses affaires, pour le rencontrer, vous rentrez dans mon inbox sur le numéro. C'est quoi le numéro de choses là qui se termine par combien, ce numéro-là? C'est pas celui qui se termine par 9121, l'autre numéro. 514, combien là? 570. Voilà, 570. 83 97, voilà, c'est ça. Ce numéro-là, vous me rejoignez dessus, le numéro de la tablette. Pas celui qui se termine par 9121. 9121, c'est pour attirer les poissons. Si tu ne me parles l'immigration, là, je ne te réponds pas. Vous-même, vous avez remarqué ça. Donc, ceux qui veulent rencontrer M. Magadji, qui est à Abidjan pour une semaine, vous voulez le rencontrer. Vous avez l'intention de faire une procédure d'immigration. Aujourd'hui même, j'ai écouté le direct du Premier ministre du Québec. Il a dit dedans qu'il y a un budget qui a été alloué aussi. Parce que maintenant, ils ont vu que les avocats sont en train de porter plainte contre eux. Donc, il y a un budget qui a été alloué pour décaisser le problème de l'immigration. Donc, ça, c'est dans le direct du Premier ministre que j'ai écouté cet après-midi. Donc, vous voulez le rencontrer, comme je vous ai dit, vous me rejoignez. Quand je dis rejoignez, please, laissez-moi des voices. Parce que moi, je travaille de 7h à 17h. Oui, c'est vrai, j'ai une heure de pause, mais laissez-moi des voices. Quand vous me laissez les voices, je sais que c'est le problème de M. Magadji. Vous voulez le rencontrer à Abidjan. Il va vous expliquer les problèmes qui sont liés à l'immigration, tout et tout. Lui-même, il a dit, il rentre ici au mois de mi-avril. Quand il va rentrer au mois d'avril, je vais aller à son bureau. Toutes les questions que vous posez sur l'immigration, oh, mon dossier a duré, Monica Z a pris mon argent, tout ça là, il va vous parler de ça. Il va vous dire là-bas que c'est pas Monica Z, voilà, c'est l'immigration Canada. Voilà, il a tenu à ça. Il dit quand il rentre, à Montréal, il va faire, ça dit, sur deux fois même, je vais le rencontrer à son bureau. On va parler de tout ce qui a trait à l'immigration. Ah ouais, si c'est, comment vas-tu? Donc, c'est ça. Ne laissez pas là-bas. Et puis, vous allez venir dans mon inbox pour me dire, j'ai reçu plein de messages récemment. J'ai 4 enfants. Je veux immigrer au Canada. Je suis infirmier. On dit le Québec recrute. Tout ça là, il va répondre à vos questions là-bas. Vous êtes infirmier, aide-soignante. Vous êtes à Abidjan. Vous avez envie d'immigrer au Canada. Monsieur Magadji vient à Abidjan. Là-bas, il peut mieux répondre à vos problèmes, tous vos soucis d'immigration. Il va répondre à ça. Et puis, ce qui est intéressant, quand M. Magadji vous rencontre, il y a ce qu'on appelle la grille d'évaluation d'immigration Canada. Oui, c'est ça. Malheureusement, parfois, on vous fait miroiter tout et tout, mais c'est où on vous fait miroiter aussi qui est bon. C'est là-bas qui est bon pour vous. Il va vous faire cette grille d'évaluation-là. Il va te dire, tu vas lui dire que j'ai tel âge, parce que vous m'envoyez des messages, l'impacté, j'ai 42 ans. J'ai 42 ans, ma femme a 34 ans. Est-ce que je peux immigrer? Moi, je ne peux pas te dire parce que je ne fais pas ta grille d'évaluation. C'est lui, en fonction de tous les éléments que tu vas lui donner, lui va te dire si tu peux immigrer, tu as combien de pourcents de chances de pouvoir réussir ton immigration. Donc, vous comprenez. Donc, cette vidéo-là, vous avez vu que ça fait une semaine et que je ne suis pas sortie sur les réseaux sociaux, mais j'ai tenu quand même à faire ça. Voilà. Le conteneur. Moi, je ne suis plus... actuellement, là, je suis devenue une femme d'affaires 100%. Donc, je vais à l'essentiel. Le conteneur sera à Abidjan, à Montréal le lundi. Malheureusement, on avait pensé que c'était ce mercredi parce que j'avais mal lu. C'est plutôt le lundi. Le lundi.
Olga Maëli. Pardon. Allez, où on menace des pages là. Moi, on est venu parler dans ça. Pardon, ma page est commerciale. Je ne parle pas dans tout ça là. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je disais là? Hé, hey, la Mayotte est là. La Mayotte, comment tu vas? Voilà. Donc, elle a fait, j'ai perdu le fil conducteur de mes idées là. Qu'est-ce que je disais? La patronne là de Ben, comment va? Oui, je suis comme ça là, c'est bon. Il n'y a pas de problème sur ma tête. Voilà, si eh bien, je vais à l'essentiel. Si vous me voyez sortir là, comme je vous dis, le conteneur arrive lundi. Vous qui avez commandé, j'ai pris vos commandes. Je vous ai déjà envoyé vos factures. Je suis en train de préparer chaque jour vos commandes. Vous savez que je dors même pas avant minuit chaque jour pour essayer de vous satisfaire. Cette fois-ci là, quand le conteneur arrive là, ça arrive un chaos. Dès qu'on libère, si on a libéré en semaine seulement là, le samedi qui suit là, les gens de Québec, je suis là-bas pour vous livrer. Vous aussi de Gatineau, mon frère qui, avec lequel je fais la livraison là, lui il va vous livrer. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Oui, voilà lui. Ok, c'est bon. Donc c'est ça qui est ça. Je tenais vraiment à vous dire ça. Je vais revenir encore sur l'information. Vous voulez rejoindre M. Magadji à Abidjan. Vous voulez le croiser. Vous voulez qu'il vous parle de l'immigration. Vous avez un projet. Vous êtes dans le doute. Vous ne savez même pas. Affaire d'immigration Canada, la même là. On parle de ça sur les réseaux sociaux. Quand vous ne comprenez rien. Tu t'en sur YouTube, là, c'est versé là-bas. Faut rencontrer M. Magadji, fa-fa. Yeux dans yeux. Tu prépares même ta liste de questions, tout, ton questionnaire. Tu lui poses des questions là-bas. Il va bien te répondre. Ça dit quand il va te répondre, si tu quittes là, tu vas te dire, mais est-ce que ça vaut la peine ou bien est-ce que c'est pas, ça ne vaut pas la peine? Donc, c'est ça qui est ça. Donc, si vous voulez rencontrer M. Magadji, laissez-moi un voice au 514, oui, 700. Comment on appelle ça? Quoi ça? 570. Ok, 570-83-97. Oui, Nia. Vraiment, dans la vie, il faut faire des expériences. C'est vraiment difficile de travailler. Ça dit, quand tu travailles pour soi-même, quand tu es en train de monter à faire, c'est là que tu comprends que c'est plus facile d'aller travailler pour quelqu'un. Mais quand c'est pour toi, tu veux que ce soit bien fait, tu es satisfait. C'est clair. Donc, c'est ça qui est ça. Voilà, je fais la route avec vous. Je pense que dans 5 minutes, nous, on va arriver au gym. Et puis bon, c'est ça qui est ça. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Apprêtez-vous seulement. Les Saint-Thomas, le marché Zouzouawa va arriver la semaine prochaine. Dès qu'on libère le conteneur, vous allez voir le marché Zouzouawa. Il y en a de tout. Il y a les crabes frais. Il y a du mâchoiron d'eau douce. Il y a du... Comment... Parti, hein, Kala. Quelqu'un m'appelle? Ouais. C'est qui appelle? Ton papa? Tout de suite, on est quitté à la maison. Il est en train d'appeler pour gâter mon direct. Vraiment, ce monsieur. Il a quoi à dire encore d'autre? Donc, on va comme ça, non? Donc, mes chers frères et sœurs, moi, je suis rendue. Je suis rendu au sport. C'est que si je vais vous revenir là-dessus. N'hésitez pas à faire vos commandes. Quand les produits vont arriver, puis je vais présenter là. Quand maintenant vous allez m'appeler, malheureusement, je ne peux pas vous satisfaire dans le moment. Parce que c'est l'erreur que je commets. Et puis chaque fois, il y a mes clientes, mes impactées qui ne sont pas contentes de moi. Oui, mais moi, j'avais commandé tant. Quand le téléphone commence à sonner. Ouais, c'est là, je viens. Le téléphone commence à sonner. Je perds un peu. Mon feeling est plus bon. Maintenant, là, vous qui avez commandé. Ça, c'est quoi? C'est le nouveau chauffeur. Pourquoi il dit à l'arrêt comme ça? Ah, c'est le nouveau chauffeur. Vous qui aviez commandé. Dès que le conteneur arrive, je vous satisfais. Vous, les gens de Montréal, Longueuil, Laval, whatever. Dès que j'ai fini avec vous, là, fa, Québec. Ah oui, Québec, là, non. Québec seulement, là. Il dit. Québec au moins, là. C'est du sérieux là-bas. Donc, je vous aime, oh, je vous aime. Monsieur Magadji Abidjan. Immigration Canada, c'est ça. On n'a pas le contrôle là-dessus, mais c'est comme ça. Nous aussi, c'est comme ça, ça a duré pour nous. C'est comme ça, c'était chaud. Et
peux, on est rentré au Canada. Le Canada, là, c'est la patience. Patientez. Les gens qui ont le vous qui avez le contrat, on est en train d'essayer de négocier avec l'avocat pour qu'il ait une rencontre avec vous. Voilà, j'allais oublier cette information importante là. Voilà, on est rendu là. Fine. C'est ça. Vous qui aviez les contrats avec nous, je vais prendre deux petites minutes. L'avocat est en train d'organiser dans son agenda, il est en train de voir avec son timing comment est-ce qu'il peut vous rencontrer en Zoom pour que vous posiez toutes vos questions. Voilà, c'est ça. Ça fait longtemps que vous êtes dans les contrats, il n'y a pas eu de suite. J'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé un message, oui, l'impacteuse, depuis qu'on a eu le dernier truc, plus rien. J'ai dit plus rien, c'est parce qu'il n'y a pas d'information. Voilà, donc. Mais l'avocat est en train de s'organiser. Voilà. Hein, l'avocat est en train de s'organiser. Et puis, il va essayer de vous rencontrer. Vous allez poser toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Il va vous expliquer aussi les problèmes qu'eux ils rencontrent au niveau de l'immigration. Voilà, c'est ça qui est ça. Sur ce, prenez soin de vous. Quand je vais avoir du temps, je vais vous parler. Je suis venue au sport avec ma fille. Bisous à vous. Au revoir.